Europe 1, il est 9h06. La sortie du jour de Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, un musicien qui s'appelle Nosfell, qui travaille depuis longtemps avec un certain Philippe Découfflé. Si l'on me crève ce soir, ce sera dans tes bras, mon amour. Et oui, il fête ses 10 ans de création au Trianon, mercredi soir à Paris, Nosfell, et il sort en même temps une compilation de son univers musical envoûtant, on l'entend. Alors, écoutez, moi, Nosfell, je l'ai découvert en allant voir le dernier spectacle de Philippe Découfflé. Alors, une comédie musicale burlesque et bien déjantée, mais moi qui ne m'a pas convaincue, la chorégraphie est bien trop faible. Mais en revanche, j'ai été séduite par la musique et la présence magnétique de ce Nosfell, au corps tatoué, c'est un performeur, il joue, improvise, chante, danse même, une danse chaloupée sur des rythmes pop-rock traversés de sonorités orientales. C'est qu'il faut le voir sur scène, ce garçon. Oui, oui, c'est un peu un spectacle à lui tout seul, même s'il ne joue jamais totalement en solo, Nosfell, on l'écoute. Je suis en trio, clavier, guitare, boîte à rythme. Et sur scène, moi je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je chante mes chansons à la guitare, puis je me mets en boucle, j'ai une espèce d'appareil qui me permet de superposer comme ça des voix, des borborythmes, des choses rythmiques, et je chante par-dessus. Ça ressemble à des chansons, moi j'écris des chansons, j'ai toujours voulu faire de la musique populaire. Voilà, il chante en anglais, en français et même dans une langue qu'il a lui-même inventée, comme dans ses premiers albums. Alors sa voix passe des graves aux aigus, il a un côté assez féminin, Nosfell. Il est félin, sensuel, oriental, il avait un père d'origine berbère et il parle beaucoup d'amour dans ses chansons. Nosfell, 10 ans d'amour, sa compile sort cette semaine. Il sera en concert au Trianon mercredi soir et le 14 mars à Massy. Et puis il enchaînera avec une tournée pour le spectacle de Philippe Découfflé. Contact, c'est la sortie du jour signée Diane Chenouda. À demain, Diane. À demain, Thomas.